T'es sérieuse, toi? Ben, c'est une tasse de thé. Quoi? J'ai demandé un thé à la verveine, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé ça, moi. T'es sérieuse? C'est quoi ça, Golemon? Putain, elle m'a niqué le cerveau, la fille. Vas-y, tu peux y aller. Tu me filmes? Oui. Mais non, mais je vais avoir besoin de ton aide. Alors, je voulais te poser une question. Ouais. Il fait quoi ton père dans la vie? Il fait rien, il travaille pas. Comment ça, il fait rien? Il fait rien, il travaille pas. Ben, toi, tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, je l'aide. Ok, vous savez. Toujours dire que les Parisiens sont pas très aimables, et bah je vais vous prouver que c'est faux, je vais aller demander un renseignement à quelqu'un et on verra bien. Par exemple, ah madame, vous savez où je peux trouver un club de karaté dans le coin? Ta gueule, je sais pas. Un club de karaté, non, ça vous dit rien? Ta gueule, je t'emmerde. Bon bah merci quand même. Hein. Il y a des putains de boutiques, je t'emmerde. Non, je voulais un club de karaté. Non, ta gueule. Mais pourquoi vous allez dites ça? Allez sur le long de la Seine, là, faire du jogging comme les connards, les pétasses de connasses à cette heure-là. Non, je voulais faire du karaté. Ta gueule, ta gueule. Du karaté américain. Ta chingouang, gna gna gna. Bon, vous savez pas où je peux trouver du karaté? Ta gueule. Bon, bah ta gueule, ta gueule. Bonne journée, ta hein. Gueule. Mais moi, je voulais juste être gentil et montrer à tout le monde que les Parisiens sont pas aussi méchants qu'on le dit. Oh, j'ai mal à mon cœur. Waouh, ça pas l'ambiance. Regarde, t'es beau. Yannis, c'est pas. Yannis, c'est pas la porte. On habite là, la putain de terrasse. Tu me saoules. Ah, Yannis, ça fait 7 mois, on habite ici. Tu te trompes encore de porte. Écoute, tu m'arrêtes. Non, j'en ai marre. Je rigole pas avec vous. Si c'est un crabe, la tête de ma mère, je rigole pas avec vous. Ah ah, dans ma chatte. Dans ma chatte. Dans ma chatte. Et en même temps, elle est au téléphone, venez, on va lui en voler un. Je peux le prendre. Allez, les pharmaces. Je peux le prendre. Maalesh. Je regarde pas mal. Coucou. Il est 4h du matin. Ça fait ce genre de rire. T'es avec moi par amour ou pour l'argent? Ah, tu sais que pour l'amour, mon amour. Ah, c'est nickel parce que là, j'ai regardé le compte tout à l'heure, on n'a plus une thune. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais je t'ai dit rien. Arrête de me parler comme ça. Arrête de me crier. Mais je dis rien, moi. Arrête de me crier, je veux le divorce. Sans que c'est mort. Et là, il a joué sa dernière carte. Et il m'a dit, tu vas pas le regretter, je vais te faire tout ce que les femmes aiment qu'on leur fasse. Et j'avoue, j'ai réfléchi 2 minutes parce que j'aime beaucoup quand on fait ma vaisselle. Et toi, t'as fait les tiens? Ouais, j'ai fait l'histoire. Bien sûr. Alors, je t'ai lu les canettes quand vous les avez vues. C'est TikTok.
c'est bizarre, je reçois pas de message, je reçois rien, pourtant ça sonne. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. T'as ta carte SIM ? Oh, c'est bon là ! Y'a rien en plus ! Pourquoi tu rigoles ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est bon ! Ça, avec le cœur, tu le plies, vas-y, tempo. C'était ouais, pas tard. Vas-y. Tu te souviens ? Tu te souviens, ton frère ? Tempo. C'est de la sacrée merde. Ouais, il a pas bougé le machin, ma couille. Voilà, vas-y, tords-moi ça là, plie-le. Ah ah. Oh non, non, non. Oh, 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 oh. 98e largage, Mégane. Joyeux 98e largage, Mégane. Pour la 98e fois, je me suis fait larguer. Allez, on souffle. Vive le célibat. Oui. Oh, si ça t'intéresse d'aller boire un verre avec moi, je te trouve super charmante. T'as des beaux yeux, t'as un bonnet, t'as des beaux sourcils. Non, ça m'intéresse pas. Mais t'as tout qui est je beau. Suis pas intéressée. Là, c'est limite du harcèlement ce que tu fais. Mais tu te rends pas compte ou quoi? Mais t'es belle. Ça ne se fait pas. Stop, déblaye. Excuse-moi, excuse-moi. Oh, la gazelle. Oh, comment t'es fraîche. Oh, mon Dieu, j'adore. Oh, il est trop beau. Vas-y, viens, viens, viens. On va manger un McDo. Viens là. Oh oui, j'arrive. A bien bouffé pendant le confinement. On voit plus ma vie. It's breathing up sweet home. I approve this message, Big Titty Page. Coming at you live from here. Je viens de faire 3 fois une nuit de gainage. Alors rangez tous vos mecs. Parce que là, les gars, je débarque, je suis une bombe, vous allez tous tomber amoureux. Gens pas normaux, hein. Regardez. Ah, c'est lui qu'on prend là. Il fait la chaîne. Non. Est-ce que les femmes qui sont en pleine ménopause pourraient s'acheter des polaires au lieu d'ouvrir les fenêtres? Parce qu'on se gèle. Si on se gèle. Les polaires, on a encore plus chaud. Donc, si d'accord. Une petite clim portable. Non, mais parce que nous, on se gèle, quoi. Je quoi, nous, on n'a rien demandé, quoi. Voilà. Tu veux qu'on t'achète un polaire? Oui, peut-être, ou m'acheter à moi, mais moi, je me gèle, quoi. J'ai froid. J'ai froid. Merci bien. J'ai vu une vidéo sur TikTok, s'il te plaît, je veux le faire. Celui qui met la plus petite claque, il a gagné. C'était connerie, ça, encore. Non, 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 allez, s'il te plaît. La plus petite. La plus petite. Pas la plus grosse, hein. La plus petite. La plus petite, il a gagné. La plus petite, hein, tu m'as dit. Ouais, mais une petite aussi, c'est Arrête. Ouais, t'as fait, hein. Ah. Wesh. T'as gagné. T'es ouf, toi. Wesh, t'as dit la plus petite. Mais t'as gagné. Il a gagné, bravo. Et c'est pour hier, là, quand tu m'as dit la place de la femme est la. Avant la douane. En fumette. Les yeux fermés. Avant la douane, il te fout de mettre un merdeux. Non, échalote. Échalote. Coupe les salopes. Coupe les salopes. Oui, forcément. Yeah. De quoi? Coupe les salopes. Ah bon? Bah oui. Échalote. Cano, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je sais pas si c'est une panne ou une défaillance électronique, mais dès que j'ouvre la porte, en fait. On est tout le temps en retard. C'est casse-couille. Regarde, vous voyez, dès que je ferme la porte, il n'y a plus de bruit. Par contre, dès que je réouvre la porte... Soul, vraiment, même un enfant de 12 ans est responsable.
Et là, plus de bruit. C'est dingue. Je sais pas quelle panne c'est. Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet, franchement, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait. Amour. Voilà, c'était juste pour te dire quelques petits mots. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. J'ai des réels sentiments pour toi. Je vois l'avenir avec toi. Je t'aime, t'es la femme de ma vie. D'accord, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un truc intéressant, moi? Eh ben, tu sais quoi? Plus jamais, écoute-moi bien, frère. Plus jamais je te dis des compliments, tu sais quoi? Plus jamais, plus jamais, c'est bon? Et t'abonnes plus à moi, toi. Je peux même plus rigoler.